notre Sauveur. Il est kuya muzuri na kupendezwa mbele ya Mungu mwokozi wetu. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ula napenda batu bote wapate kokolewa. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Na wapate kufika mufamu ya ukweli. Car il y a un seul Dieu. Kwani kuko Mungu moja. Et aussi un seul médiateur entre moja, Dieu et les hommes. Mupatanishi moja kati ya Mungu na batu. Jésus-Christ homme. Yesu Kristu muntu. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ularitoa yeye mwenyewe sawa malipo kwa bote. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Joshua il était au mwakati yake mwenyewe. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Na Dieu il est milioué kwa mubiri na mutume. Je dis la vérité. Mina sema ukweli. Je ne mens pas. Michilandi. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Mwenye kwa na buzito ya kufundisha wapagano ndani ya imani na ndani ya ukweli. Pour lequel j'ai été établi. Dieu a il est mis le pata buzito. Prédicateur et apôtre. Mubiri na mutume. Je dis la vérité. Je ne mens pas. Mina sema ukweli michilandi. Chargé d'instruire les païens dans la véritable foi. Mwenye kwa na buzito ya kufundisha wapagano ndani ya imani ya kweli na ndani ya ukweli. Voilà pourquoi dans notre doctrine, prenons notre doctrine. Joko mana mu mafundisho ya msingi tubebe. À la page 4 au paragraphe 12. Mukartasi yake ine nukta yake ya 12. La doctrine page 4 paragraphe 12. Kartasi yake nukta 12. Nous croyons que l'apôtre Paul était un vase choisi par élection. Tunaamini kusema mtume Paulo alikuwa ni chombo kilichochaguliwa kupitia uchaguzi. Et envoyé à l'église des gentils. Na mkutumwa kanisa ya mapagano. Afin de la placer dans l'ordre. Njoo kuiweka katika usawa. Et l'instruire dans la vérité. Na kuifundisha katika ukweli. Et sur le véritable Dieu. Na yulu ya Mungu wa kweli. Depuis l'Ancien Testament, Tangiawa agano la kale, Dieu a parlé à Israël, Mungu alisema na Israeli, par des prophètes, kupitia banabi, des rois, kupitia bafalme, des sages, kupitia banyekima. Il a parlé par la loi, alisemea kupitia sheria. Il a instruit son peuple qu'il avait choisi. Arifundisha taifa yake ile yemu yalichakula. Et à travers le ministère prophétique de Moïse, na kupitia unabii ya Musa, Dieu avait placé les fondements, Mungu aliweka msingi, pour son peuple. Juu ya taifa yake. Israël, Israeli, n'était pas une nation comme nous. Aikukwe taifa sachei. Sur toute la terre. Pa dunia pote pazima. Seul Israël. Paka tu Israeli. Connaissait le véritable Dieu. Jor kwa mwenye kumjua Mungu wa kweli. Était instruit par le véritable Dieu. Alikuwa mwenye kufundishwa na Mungu wa kweli. Avait la loi du véritable Dieu. Alikuwa na sheria ya Mungu wa kweli. Le Dieu de toute éternité. Mungu wa milele yote. Le Dieu tout-puissant. Mungu wa uwezo yote. Le créateur du ciel et de la terre. Mumbaji wa mbingu na dunia. Avait choisi Abraham. Alimchakulaka Ibrahimu. Et sa progéniture. Na uzao yake. Pour se révéler à eux. Njua kujifunura kwao. Pour qu'ils soient les témoins. Njua bapate kwa bashuda. De véritables témoins. Bashuda wa kweli. Et les bénéficiaires. Na wenye kufaidia. De toutes les multiples grâces. Ya manema yote ya Mungu. Qu'un véritable Dieu. Ile Mungu wa kweli. Peut déverser sur son peuple. Anaweza kumwanga yule ya taifa yake. Israël. Israeli. A bénéficié de la protection divine. Arifaidia na ukingo wa kimungu. C'est lui seul. Ni ye peke tu. Qui connaissait Dieu? Dieu alimjua Mungu. Parce que Dieu s'était révélé à eux. Juu Mungu alijifunuraka kwao. Mais nous les païens. Lakini sheba pagano. Toutes les nations de la terre. Mataifa yote hapa dunia. Dieu ne s'est jamais révélé à eux. Mungu alijifunuraka kamwe kwao. C'est pourquoi nos ancêtres. Ndio kwa maana bankambo yetu. Adoraient des idoles. Walikuwa wanaabudu masanamu. Adoraient des créatures. Walikuwa wanaabudu maubili bariumba. Nous étions tous dans la confusion. Tulikuwa shebote katika mvuruko.
Mais lakini l'amour de Dieu, mapendo ya Mungu, la miséricorde de sa grâce, rehema ya neema yake. Lorsque leur Messie est venu, lorsque leur Dieu est venu dans la chair, wakati Mungu alikuwa mwili, ils l'ont rejeté. Bali mukatala. En le rejetant, mukumukatala, comme Dieu voulait avoir toujours un peuple, vile Mungu alipenda paka kuwa na taifa moja. Le rejet d'Israël, kutukataliwa kwa Israeli. Quand ils ont rejeté leur Messie, wakati walikatala Masiya wabo, Mungu wabo. Quand il est venu dans la chair, wakati alikuwa mwili, ils ont ouvert en nous le païen, ilitufungulia sheku bapagano, une porte, mulango moja, pour bénéficier, juu ya kufaidia, les multiples grâces, manema ya mingi, Dieu d'Israël, ya Mungu wa Israeli. Et comme nous, on ne connaissait pas Dieu, on ne connaissait pas sa loi, nos pères n'ont hérité que les mensonges. Ils enseignaient des mensonges. De génération en génération, ils ne faisaient que transmettre les mensonges. Lorsque la porte de la grâce, Dieu d'Israël s'est ouverte pour nous. Dieu n'a pas envoyé Pierre, il n'a pas envoyé Jean, il n'a pas envoyé n'importe quel apôtre. Dieu avait suscité l'apôtre Paul, qu'il avait chargé comme apôtre et prédicateur pour enseigner aux nations, aux païens, toute la vérité sur Dieu. Et c'est à Paul que Dieu a donné de grandes révélations, plus aux autres apôtres. Paul Paulo n'a pas vécu dans la chair avec Jésus, mais il l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et Dieu lui a donné de grandes révélations que même les autres n'ont pas eu. Et ces grandes révélations furent données à Paul. C'est pour notre bénédiction. C'est pour notre salut. Pour que nous qui adorions les idoles, nous qui défendions des mensonges, nous puissions recevoir la vérité. En recevant la vérité, nous recevons le salut. En recevant le salut, nous recevons la délivrance. Comme Jésus disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pourquoi aucun véritable croyant qui a reçu l'enseignement de Paul ou les enseignements de Paul, à qui Jésus-Christ s'est réellement révélé, qui est réellement né de nouveau et qui est baptisé du Saint-Esprit, il est libre de tous les mensonges des hommes. Il ne peut plus adorer des dieux imaginaires. Les coutumes des hommes ne sont que vanité et conduisent à la confusion. Mais la vérité que Dieu nous a révélée à travers la Bible, par son serviteur et apôtre Paul, nous a éclairé pour nous libérer. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler ou croire comme nos ancêtres. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Croire à la sorcellerie, kuamini kubulozi, cela ne nous intéresse pas. Il est chez Itwangari Tamwaramo. Ou cela ne nous intéresse plus. Il y a Itwangari Tena. Taxer nos parents, usema bazazi yetu, asema ni balozi. Cela ne nous intéresse plus. Il est na tena mambo yetu. La vérité révélée, ukweli nye kufunuliwa, nous a affranchis. Il est tukomboa. Nous ne craignons plus atogope tena ce que le monde craint. Il est dunia kunaogopa. Les signes du ciel, malama ya kumbing, les signes naturels du ciel, malama ya sili ya mbing, ne nous fait plus peur. Aitu letete na boka. Nous connaissons la vérité. Tunafahamu kweli. Parce que Jésus-Christ Yesu Christ a envoyé son apôtre
Paul, alituma mtume wake Paulo, pour nous ouvrir l'intelligence, ndio kutufungula akili, nous ouvrir le cœur, ndio kutufungula mioyo, afin que nous comprenions, kusudi tupate kuelewa, que nous croyions, tupate kuamini, que nous défendions, tupate kukombania, bien que la vérité divine, mpaka tu ukweli ya Mungu. Quoi nous disons, je commence à dire, tout enseignement qui va à l'encontre de ce que Paul a apporté, il est Paul a dit, ne vient pas de Dieu. Aitoke kwa Mungu. Cela ne nous intéresse pas. Il est un tena mambo yetu. C'est la raison aussi pour laquelle, je sababu tena, quand Frère Branham est venu, wakati ndugu Branham alikuja, à la fin de l'âge, mwisho wa kizazi, regardez comment il dit, mwangalie vile kunasema, quand il était de l'autre côté, wakati alikuwa ile ngambo ile, quand il a posé la question de savoir, wakati aliuliza juu ajue, est-ce que Paul, eti Paulo, sera jugé, atahukumiwa na yeye atasambishwa, asema ndio atamsambisha, il dit, na anasema, si les gens de Paul, kama batu ya Paulo, entre, banaingia, les miens aussi, bangu na bo, aina batoto yake, ce ne sont pas ses enfants. Ce ne sont pas ces gens. Les gens qui l'ont conduit au salut. Les gens qui l'ont enseigné la parole de Dieu. Ils étaient nés de nouveau. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils étaient devenus de véritables enfants de Dieu. Si ceux-là de Paul entrent, ceux-là qui croiront au message que j'ai prêché au temps de la Odyssée, eux également ils vont entrer. Les frères et sœurs qui nous ont déjà précédés, ils ont levé les voix en disant, c'est sur cela que toi tu as enseigné. C'est sur cela que nous sommes bâtis. Ce que tu as enseigné, c'est ce qui nous a amenés ici au paradis. C'est pourquoi nous refusons dans l'église de Kambo les discussions ya ma WhatsApp. Ma bichano n'est pas WhatsApp. Oh, la les messages, c'est la nourriture crue. Oh, ujumbe ni chakula ya mubichi. Moi, c'est le majimu. C'est cette folie. Lisez le message. Musome ujumbe. Dans le message, danya ujumbe, il y a le Saint-Esprit. Muko Rome takatif. Le message est un tout complet. Ujumbe ni yote ya utele neneano. Il y a la vraie parole. Muko neno ya kweli. La véritable volonté de Dieu est révélée. Mapenzi ya Mungu ya kweli nafunuliwa. Il y a le Saint-Esprit. Na muko ndani yayo Rome takatif. Même si seulement vous croyez le message, vous serez né de nouveau et vous recevrez le Saint-Esprit. Les déclarations des prédicateurs sont nulles. Il n'y a boule. Il ne faut pas écouter les franquistes qui veulent élever le ministère de Frère Franck au-dessus du message. Nous mettons chaque chose à sa place. Franck Fashiak, Branham à sa place, les œuvres, les offices à leur place. Nous connaissons l'œuvre de tout ministère. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans la confusion. Éviter les discussions. Moi, pour que ma bichano. Y a ma WhatsApp, non ma Facebook. De WhatsApp, y a des prédicateurs de WhatsApp. Kuko baubir ba WhatsApp. Croyez le message. Moi, mini ujumbe. Lisez les écrits de Franck. Écoutez les prédications. Moi, sommes mendi ko Franck. Franck, c'est un homme de Dieu. Ni mutumi shwa Mungu. Et écoutez les prédications de tous les hommes de Dieu. Na mushike maubiri ya batumi shote ya Mungu. Ce n'est pas seulement Branham, Frank, qui prépare l'épouse, les cinq ministères ne sont pas confinés dans Branham, Frank. Frank. Non, il y a plusieurs ministres. Dieu Mungu a appelé des prophètes, Arita il a appelé des apôtres, Arita des évangélistes, des docteurs, il a appelé tous ces gens-là. Il n'a pas appelé un docteur, un apôtre, un pasteur, un évangéliste, un prophète. Non, plusieurs prophètes, plusieurs apôtres, plusieurs docteurs, plusieurs pasteurs, plusieurs évangélistes. Tout ça, c'est pour perfectionner et édifier l'église. Mettre chaque chose à sa place. Pas de confusion. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.